تيدات سولين نزل ون صفي سون سلف حضام قناد من الغيد ون اثم الديت بورزة اتس قرقزن دي الحون مشوار تي كون السنه مسو امزر ونسن تي كول هات نسل كاس يسمى ونسن اتس قمذن دينا تي كيكش من قنارو من نوغ لان تسبتتني ذكرن تمسات قذلس نا تمسات من نوغ السرتي تي لا مذات لا السباي تي تذكرن وكل ديك شمس النار يون غرسن دي ون هات دي الحنا اتس مشوار قمنو اما غفينك شو دن غفز المط في مورت ندان غمينك شو دن غفتو ثلاثة تمازيغ ذو التعس نتلوفا يعني ذا غيدي تاك اف وسيس ذو ظهري سوى كن دي عرضي وكن تيكتي ونسا تزنت غار الزاد وكن ذا قسم مقران مال من يسيث مديث بوسان سيدي في الحرمة هزوف لك الدمقى هزول الو دمقى اثا ستقسي غم زورون عطاس بوذي كيس نفع ذا غلي زنسيا ميديتون مثل حد عطاس ومشوار ذا شو كذ قرن دام قران غارو منو تصمزي ذا القيرة ذ لي حالة مورث وي سي فري بون يا دابور افكتيفمون لا غير انت اللي القرة تو دونك جيتي في فون شي فيش دو شهيد دونك جي في ما مير دونك اريتي با لارمي فرونسيز دونك تورتوري on a vécu une pauvreté extrême donc tout cela effectivement a joué dans mon engagement politique mais aussi dernier il faut dire que j'étais confronté aussi à quelques conventions sociales qui m'ont amené aussi à penser que la société devrait changer. Alors, C'est un peu comme ça. Parce qu'après l'indépendance, en fait, il y a eu beaucoup de déceptions. L'Algérie indépendante n'a pas été reconnaissante à l'égard de ceux qui ont lutté pour l'indépendance. Donc, je faisais partie un peu de cette catégorie sociale qui a été marginalisée, maintenue dans une misère extrême pendant des décennies après l'indépendance. Alors, la misère extrême, c'est-à-dire que tu as une misère extrême, effectivement. Et bon, je suis passé aussi par un orphelinat qu'on appelle à tort d'ailleurs, et là il faudra peut-être préciser un point, ce qu'on a appelé les centres d'enfants de Chouada. Mm-hmm. En fait, des centres d'enfants de Chouada, c'était des centres où la vie était très dure pour les enfants, surtout quand on nous a envoyés par des anciens maquisards pour nous éduquer, et sans aucune formation préalable. Et donc, ils nous ont éduqués à leur manière, hein, par des méthodes très brutales. En fait, ils ne nous ont pas éduqués. C'est trop dire qu'ils nous ont éduqués, mais en fait, ils sont venus nous dresser. Ça aussi, il faut le souligner. Il faut dire aussi. Par exemple, pourquoi je dis ça? Parce qu'il y a un maquisard qui nous l'a dit, par exemple. Il nous a réunis, par exemple. Par exemple. C'est pour ça que je le dis. Ça m'est resté dans la mémoire. Mm-hmm. Et donc, effectivement, on nous frappait. Et les conditions d'hygiène, les conditions
de l'alimentation, etc., était vraiment lamentable. Pendant des années, par exemple, on n'a pas vu on n'a pas vu du pain blanc. Pendant des années, donc, on nous a mis dans une situation assez difficile. اشحال يدون مثلا الطاس Dans le يدون centre, on était à peu près 300 élèves. 300 élèves. لاني مثلا كي لاني في ثالث النيا كتوسن ثورة Absolument. Par exemple, il y a Ali Mouzaoui, par exemple, le cinéaste, qui était avec moi. Il y en a d'autres dont j'ai oublié le nom, malheureusement. On était à peu près 300. Mais il faut aussi préciser que sur les 300 élèves, contrairement à ce qu'on pense, ce n'étaient pas tous des enfants de Chouhada. Il y avait ce qu'on appelle des enfants de nécessiteux, c'est-à-dire de parents qui n'arrivaient pas à subvenir aux besoins de leurs enfants. Il y avait aussi des fils de Harki, aussi. Mais on a vécu dans une très grande fraternité. Hein. Jamais, par exemple, parmi les élèves, par exemple, on a vu un fils de Harki stigmatisé ou ce mode. Mais كل واحد يمر نو الزرع ما راه بلي هو قيد باسم الشهيد وقيد باسم الحكم وقيد الاحساس نظر كلش. Si on le savait, on le savait. On le savait, mais ça ne posait pas problème entre nous. J'en garde d'ailleurs des amitiés très profondes jusqu'à présent avec beaucoup de fils de Harki. Et à l'époque, on considérait qu'on était tous dans la même galère. Fils de Harki, fils de nécessité, fils de Shahid, c'est la même chose, quoi. On était dans la même galère. On subissait les mêmes, la même misère. Alors, la misère, c'est une guerre après l'indépendance. Est-ce que le sentiment de l'injustice le côté gauche? En fait, voilà, tout cela, effectivement, m'a amené d'abord effectivement, à être très sensible, voilà, aux problèmes sociaux. Et aussi très révolté contre l'arbitraire, l'injustice, contre la situation aussi qui était faite aux femmes. Parce que moi j'ai vu pendant la guerre, par exemple, j'ai vu beaucoup observé la participation des femmes à la guerre que des hommes, surtout à la fin de la guerre, et après l'opération jumelle. Voilà, exactement, après l'opération jumelle notamment. Et il y avait très peu d'hommes dans le maquis, il y avait très peu d'hommes qui travaillaient aussi dans les villages, mais il y avait beaucoup de femmes, en revanche. Il y avait beaucoup de réseaux de femmes. J'ai vu ces femmes arrêtées, torturées. Voilà, tout cela, donc, effectivement, constituait un peu les éléments d'une révolte. D'une révolte à la fois contre donc, l'autorité politique, l'autorité d'une façon générale, et puis aussi contre certaines conventions sociales. Alors, مشوارينك تقول زعما تيك تكشميك في كثير في اللي ديكين ومنو في التمازيغ خاطر تتبعث الديكليك ذا شوت alors في التمازيغ le déclic à l'école primaire on avait eu des enseignants égyptiens au départ je dois dire que en 62 quand on a commencé à prendre nos premiers cours d'arabe, on était très contents. Mais on croyait réellement que la langue arabe, c'était notre langue, c'était la langue de notre peuple et qu'il fallait donc voilà, la développer, l'apprendre, etc. Mais en fait, quand on a reçu les Égyptiens, on a vu certaines différences culturelles qui s'imposaient d'elles-mêmes entre eux et nous. Et puis dernièrement, il faut dire qu'ils étaient venus nous enseigner alors qu'ils avaient un niveau visiblement au-dessous de la moyenne. Voilà, pour ne pas dire plus. Et donc on se rendait compte très bien que l'enseignement qu'ils nous dispensaient était un enseignement obsolète, qui ne nous convenait pas, parce qu'on connaît, on aspirait plutôt au progrès, on aspirait plutôt à la liberté, on aspirait plutôt à oublier un peu certaines choses. Mais il nous remettait toujours dans les cours une sorte de il nous mettait toujours sur la table la haine de l'Occident,
la haine du français, la haine du chrétien. Et ça, ce n'était pas admissible pour nous parce qu'on avait reçu un autre type d'éducation. Voilà. Et donc, à partir de là, si tu veux, on a pris des distances avec l'enseignement arabe et donc les enseignants, et on s'en amusait plutôt. On les ridiculisait, voilà. Et moi, donc, progressivement, m'a complètement éloigné un peu de l'apprentissage de la langue arabe. Et je suis arrivé jusqu'au lycée avec à peine la capacité d'écrire mon nom en arabe. دونك سوغيرت ستسلم هذا Absolument, مي j'ai هات refusé هو قال مثلا ذاك النهار الشيخ كي يدير روحه ثمرت من المسار هات الديسكور نسيت ذاك كي جنب لك كثير هات ثو ثلاثه كي كثر نسلم هذا ماشي ثو ثلاثه انت مزيخ ذا مكي تكشم مكي تكشم تروح تحملو تروح تدير الاكاديمي بربتش كاع انا كدير Alors, bon, moi, je n'ai pas adhéré à l'Académie berbère. En fait, c'est l'Académie berbère qui m'a envoyé une revue qu'on appelle les Graoui Mazigan. Voilà, qui me l'a envoyé par courrier de Paris. Je ne sais pas comment ils ont eu mon adresse, ni mon nom, etc. Donc, je recevais cette revue régulièrement. Et évidemment, le contenu. Quelqu'un leur a donné mon adresse, mais je ne sais pas qui. Jusqu'à présent, je ne sais pas qui. D'accord. J'ai fait ma petite enquête, mais je ne suis pas arrivé vraiment à trouver qui a donné mon adresse donc à l'académie. Donc, je recevais cette revue régulièrement. Et évidemment, je répercutais le contenu autour de moi, خاطر avec لو mes amis, مسلاين etc. فلاح يمينو ذا في Oui. مشوارينك ثوار ثم بعد ثوار تسلم هذا مسلم ذا مش لي سيام ذا مش لي سمسا ذا ثلاث ترميث و ثنكي ديك سكلو سيدنا تو سامبلمون خاطر الصغار يض صاروا ثمازيغ يوراش Absolument, c'est-à-dire que moi, Kenya, j'étais enseignant, mais en même temps, dès les week-ends, je suis au CEM et je réunissais les élèves Nimsaki parce qu'ils n'avaient pas les moyens. Alors, tu vois, dans une classe, en fait, je voulais tout simplement développer chez eux le goût du débat. Donc, je leur disais, voilà, posez n'importe quelle question. Et moi, je suis là, bon, je n'ai pas toutes les réponses à vos questions, mais je pourrais plus ou moins vous aider à ce qu'on nous aider tous à trouver des réponses ensemble à ces questions-là. Et donc, évidemment, ils nous posaient beaucoup de questions sur Samazir, tu vois, sur les Berbères, l'histoire des Berbères, etc. Donc, je leur parlais. دونك او كيك سورت ثلاث اني خاصو لما غادي يسفهم مي العباد عطاس براش مي تكشم تكشم تمازيغ Absolument. Absolument, les élèves, donc. سي لي زاني 70 لا فان دي زاني 60 Non, début des années 70. ديبي دي زاني 70 Début des années 70. Donc, avec ces élèves-là, un jour, j'étais en train de leur écrire en téfinaire sur le tableau. Et là, un enseignant d'arabe m'avait dénoncé à la direction. Et puis voilà, ils m'ont dit, bon, tu n'as plus le droit d'enseigner. Voilà. Alors, مشوارك يكمل مي سميت دو سيت بوكو بلوس سميت دو سيت غا الجزائر ذينا هذه يقفذوا من نور ينك سواطا بعدا من نور نتسرثيث خاصو لما دي ميشلي كسكو 1971 ني قرات دير هذا الباكس وكسكو 73 في ديميسيون ديال الباكس صدر بوليتيكمون بارلون كي نوال فاز شو تخص صارك تكشم مضيت فوق دير شو غادي تكشم شو غادي تفرض Alors, c'est que je meurs, bon, je meurs parce que d'abord par curiosité, et puis aussi je pensais que j'avais affaire à un parti clandestin, c'est comme ça que du moins celui qui m'a présenté ce parti, c'est comme ça qu'il me l'a présenté, comme un parti clandestin qui luttait contre le pouvoir. Et donc, j'étais séduit, et puis voilà, j'ai fait mon adhésion. Alors, pourquoi une Tahara? Parce que tout simplement, un jour, alors, j'étais dans une cellule à Ain El-Hammam. Dans cette cellule-là, il y avait le chef de cellule, c'était Naïdjoudi Mouhdou El-Hadj. Et puis, il y avait avec moi aussi Mokhtar El-Rachid, pour citer enfin quelqu'un de connu. Voilà. Donc, on a constitué cette cellule à Ain El-Hammam. Et puis, un jour, le responsable du parti m'avait donné une mission personnelle à moi.
Donc, c'était de faire une enquête sur l'impact du discours de Boumediene, un discours qui portait sur l'arabisation, et de faire une enquête sur l'impact qu'avait ce discours au niveau de la population kabyle. Et moi, j'ai pris cette mission à cœur. Et je vous assure que j'ai fait plusieurs jours de longues marches, parce que je n'avais pas d'argent pour prendre le transport. J'ai fait l'Arwahiratn, Beni Douala, Aïn Hammam, les Ouassifs, les Ouadia, etc., pour récolter réellement les sentiments, les impressions de la population par rapport à ce discours. Et finalement, à la fin, donc, je fais mon rapport. Évidemment, dans mon rapport, je dis ce que j'ai récolté, quoi. À savoir que les Kabyles, ils ont une langue berbère, c'est elle qu'ils veulent qu'on développe, et que la langue arabe, en fait, elle n'a pas apporté de progrès, elle ne peut pas apporter de progrès, vu le contenu qui lui était donc assigné, et que c'était une langue qui était considérée comme une langue étrangère. Donc, quand j'ai écrit ça dans mon rapport, je l'ai envoyé. Et 15 jours après, je reçois un pli fermé, c'est comme ça qu'on appelle dans l'organisation, un pli fermé, c'est-à-dire un pli strictement personnel. C'est-à-dire que ni le membre des membres de la cellule, ni le chef de la cellule n'a le droit de l'ouvrir. Donc je l'ai ouvert. Ce pli-là, quand je l'ai ouvert, je trouve mon rapport barré au rouge, avec une encre rouge, et suivi d'un feuillet dactylographié, dans lequel on faisait l'éloge de Boumediene, parce que dans mon rapport, j'avais dit que Boumediene n'était pas en odeur de sainteté en Kabylie, et qu'on avait le souvenir de la guerre du FFS, etc. Alors donc, dans ce feuillet-là, on faisait l'éloge de Boumediene, et aussi, on parlait de de l'arabisation, comme de la politique d'arabisation comme étant une politique qu'il fallait soutenir. Alors, moi, qu'est-ce que je fais? Je claque la porte. J'étais vexé, révolté, convaincu que j'avais raison. Donc, j'ai claqué la porte et depuis, je ne suis pas retourné au Perse. الو اسم اما تحضر الجزائر خاطر انا ديك نقلا اللي راش عام قران تلحق غير الجزائر ذينا في ملال وطاس يمدو كالينيك دغا دي ثالث ني اطاس يتسجل تصور هذا على في الاشهر تري ذا يلي وني تمسلاي وتاكد تامور لينيس الى انترفونسيون دو مس شيخي كي تي ان سوسيولوج دانتيك خمل لا ريفو النقد Exactement. ثنا شمتي كثينك غير ولا تكثينس ولا غير هذا شو كي يعجب دي تكتي الشيخ عن دي بوك خاصو لما يميرني لو زمان دي مثل لوبوزيسيون مي كان كي فورمال ها الى لو اف ال ان لو باك سي ان الي دو اف ال ان نون ديكلاري مي استخداميه لو اف ال ان انا تيكت في دانيال نوت ان الي سي دي اسلاميست Effectivement, عندك لا شيخ quand je suis arrivé à Alger, il y avait beaucoup de courants politiques et donc j'ai pu aussi approcher lors du débat de la charte nationale, parce qu'ils étaient plus ou moins visibles. Donc, quelqu'un qui avait attiré mon attention, c'était Cheikh Saïd. Cheikh Saïd est un sociologue, c'était un enseignant à l'université d'Alger, et qui venait de lancer une grève des travailleurs à l'université d'Alger. Et ce monsieur-là, donc, aussi, a fait un mémoire portant sur l'histoire du syndicat en Algérie. Et ce mémoire-là, il me l'a fait lire. Et j'ai appris beaucoup de choses à l'époque. Parce qu'il y avait beaucoup de choses qu'on ignorait à l'époque sur l'histoire du syndicat, sur l'histoire tout court. Donc, cela m'a séduit aussi, donc je l'ai fréquenté à un certain moment. Voilà. On a eu beaucoup d'échanges politiques. Alors, politiquement, justement, d'être l'émirné, Alors, à l'extrême gauche, elle a, parce qu'à l'époque, quand les trotskistes, alors que les trotskistes, l'un, l'FLN, les islamistes, qu'on est politiquement. Alors, je suis un peu
وحدي الامرن وحدي لا الامرن جيتي با انكور اورغانيزي دونك كي كنت فاسي الباك ستادير فاسي الباك جو مسي روتوفي ان بي دون لا ناتور دونك لو سول كونتاكت سي تي فو كو جافي كي جيم بوليتيك سيتي افيكتيفمون افيك الشيخ سعيد اي اوسي افيك كيلك كاماراد اون فات دي زامي دونفونس pour la plupart, ou des lycées, mais qui étaient dans le mouvement du volontariat, qui se sont engagés dans le mouvement du volontariat. Donc ils faisaient du volontariat. Mais le mouvement du volontariat, à l'époque, tu vois, c'est le PACS qui est derrière. Absolument, hey. Absolument. Mais bon, moi, j'avais l'espoir aussi, l'espoir de les amener à comprendre que le PACS, c'est pas un parti d'opposition comme ils le croyaient. Puisque je venais d'en sortir, donc je savais exactement ce que c'était, plus ou moins ce qu'était PAX. Mm-hmm. Mais ils étaient encore dans l'idée que le PAX était un grand parti d'opposition, mais en fait c'était une illusion. Et ils s'en sont rendus compte très vite. Et ça les nia, quels sont les rapports de Saïd Chine avec le groupe, mais c'est les berbères de l'université, Tervatin Saïd. Tervatin Saïd, que bon, je ne connaissais pas personnellement Saïd. J'ai connu Farhat un peu quand il était au centre d'enfants de Shahid et quand il était au CEG de la Vahiratel. Bon, sinon, les gens que je connaissais réellement de ce groupe-là, c'était Hachi Slimane et Aitlar Berzqi. Puisque Aitlar Berzqi, c'est avec lui que j'ai géré le journal du lycée qu'on appelait Espoir, du lycée Cheikh Ali Bachir à Zazbia. Mm-hmm. Voilà, donc on l'avait animé ensemble, ce journal-là. Et donc on était des amis, de très bons amis. Et donc les seules relations que j'ai avec ce groupe, c'était ces deux personnes. Quoi. D'accord. C'était des amis, voilà. Donc on échangeait beaucoup entre nous quand on se rencontrait, mais pas plus que ça. Alors donc quand كان ديال النوايو دخل قام كتشكو الشيخ تربعت بوغراوان en fait on n'a pas créé de j'ai pas créé de noyau on a tenu avec Cheikh. On se voyait individuellement comme ça, on échangeait quelques idées de temps en temps, d'ailleurs au gré du hasard, hein, c'était pas quelque chose d'organisé. Mais bien, خاطر تيز الوالد الاولاني نقلت vraiment دخل من فواطه جده تكون وي دو غوش voilà ça c'est normalement c'est même ce caram c'est de comité de réflexion des actions marxistes. Oui, exactement. Donc en fait ça c'est venu après, après le débat de la charte nationale, après que justement c'est les amis qui étaient au volontariat donc ont quitté le mouvement du volontariat. Quand ils ont quitté le mouvement du volontariat, donc ils sont venus me voir, on a discuté ensemble, on a décidé de créer une organisation clandestine, un parti qui allait donc, dont on avait l'espoir qu'il allait que cette organisation allait se muer en parti politique. Mm-hmm. Et puis finalement, on s'est organisé effectivement, on était 10 personnes. Bon, il y avait, bon, je ne sais pas si je dois citer des noms. Il y avait Hakim Ramadan, il y avait Ben Yahya Majid, il y avait Rizki Saïd, il y avait Kelouch Ibrahim, il y avait et d'autres. Il y avait Khoufesh Mohand, il y avait également. J'ai oublié, je les cite comme ça de mémoire. Hein. Il y avait une dizaine de personnes. On s'est réunis dans la chambre S, dans la chambre du pavillon S de Benakin. Donc, on s'est dit, voilà, on va créer une organisation. On l'a appelé, sur le coup, on l'avait appelé Cercle de réflexion et d'action marxiste. Voilà. Et puis, on s'était dit, voilà, nous ne sommes ni du PAIDS, ni de l'extrême gauche. Donc, on voulait créer une sorte de troisième voie. C'est-à-dire, voilà, et on reprochait. Alors, pourquoi parce que d'une part, le PAX, on l'a connu, plus ou moins, donc on savait ce que c'était. En revanche, le mouvement trotskiste, tu vois, parce qu'on avait des militants qui étaient en rupture de banc avec le qui venaient donc de quitter le mouvement trotskiste. Et donc, ils nous ont fait
toute une critique de ce mouvement-là, donc Mais est-ce que trotskiste. le mouvement vraiment c'était un mouvement politique dans un sens, un exercice de l'opposition politique contre Bondir, c'était beaucoup plus vers le syndicat, avoir un syndicat autonome, des études à l'université. Oui, en fait, on voulait créer, en fait, l'objectif final, c'était de créer un parti politique, un parti communiste. Voilà. Mais qu'il ne soit pas dans la même ligne que celle du PACS. Et en même temps, comme il y avait beaucoup d'étudiants, on s'était dit qu'il fallait créer avant tout un syndicat des étudiants. Certains voulaient donc recréer, si vous voulez, l'UNEA, qui avait disparu en 1971. Voilà. Donc, voilà, c'était un peu ces deux voies-là qu'on s'était Mais tracées. sachant les comités taqa, les comités les sidawin de la gauche, de l'Pax. Mais comment vous avez infiltré les comités? Alors, c'est très simple. Un de nos camarades, qui s'appelle Kilouch Brahim, un jour, a profité d'un cas de typhoïde qui s'est déclaré à la cité de Benakou. Et donc, il a été faire des affichettes, comme ça, au foyer, au restaurant, etc., appelant les étudiants à une assemblée générale pour débattre des conditions d'hygiène dans la cité. Et donc, le soir, tous les étudiants étaient là, ont répondu à l'appel. Et quand les étudiants étaient là, donc il y a eu l'assemblée générale. Dans cette assemblée générale, tout le monde était en colère. Et il y avait un comité. À l'époque, les comités de cité étaient des comités d'obédience PACS. Donc, il y a eu un conflit entre ces comités-là et la masse des étudiants. Parce que les étudiants reprochaient au comité de ne pas s'intéresser aux problèmes sociaux des étudiants, alors que c'était leur vocation. Les comités du PACS s'investissaient plutôt dans le mouvement du volontariat, c'est-à-dire en dehors des problèmes des étudiants. Donc, il y a eu donc un conflit qui a permis, quelques jours après, donc, qui a permis de dégager le comité de cité PACS. Il y a eu des luttes très dures, mais qui ont abouti donc à la réélection, à l'élection d'un nouveau comité démocratiquement élu, à raison de deux délégués par palier d'étage. Tu vois, chaque étage devait donc dégager deux délégués. Et ils étaient arrivés à peu près, je sais pas, à 100, 120, 100, 130 délégués. Mais لو ودي قارن ذاك الخنوي خاصة لما فيك فيني وانت غا ما تكشم على داخل لي كوميتي ديال لي سيتي يونيفرسيتير ديموكراتيكمون سلم ديال الكوميتي مي لا ودي كيفو روبروشي سباسا اذا خنوي قال دين تابورت لي زيسلاميست اي واكنا ذاك الشمن على داخل لي كوميتي En fait, non. En fait, personne nous a reproché, nous a fait ce reproche. Non, c'est nous-mêmes qui le faisions, enfin qui avons compris après coup qu'effectivement on avait ouvert une voie aux islamistes, c'est-à-dire que parce qu'il faut savoir que les islamistes Zik, parce que le PACS était très bien organisé. Parce que aussi, comme les islamistes, comme le PACS, à l'époque représentaient deux ailes du pouvoir. Comment dire, dans les forces étaient plus ou moins équilibrées. Voilà, et c'est le conflit entre le PACS et les islamistes, c'était un peu deux courants du pouvoir. Le il a les deux. Il a les deux, il faut le dire. Donc, nous connaissons en fait après Assimi Dneker, donc contre le comité du PACS, on a réussi donc à le dégager, mais en fait, ça a permis aux islamistes d'entrevoir
une possibilité pour eux d'aller plus loin. ذناد نكمل اول ارتاز قال انا اذا صوت على تلك بناك نون بوين تاوكا الدولي نصف ثرو ذا الود وانا كمل لوكا والدي ذيك الحرمه مقران قاسم ديك ساعه شفاوه في مقريه فطاس تمثال ديك ضران ذيك سكواس اللي انسدعي هاد نغال وين كمل اول لوك ذين ذيك الحرمه مس قاسم مس قاسم مثل تروح عندك الشمم معناتها كاسي لو انا وكلا تفهم لي كوميتي سيتي مي دي ثاني ثاني انا وين الماذا انا كي توسنا كي ثورا يديك الشمم ذك موسون وين Alors, en pleine grève, en fait, on s'était donné une directive, c'était de remarquer les gens les plus virulents et qui s'exprimaient bien en Assemblée générale et qui pouvaient aussi avoir des opinions qui étaient plus proches qui étaient très proches des nôtres. Et là, effectivement, on a remarqué pas mal de gens qu'on a recrutés plus tard. C'était notamment, pour citer les gens qui sont connus aujourd'hui, Ali Brahimi. Après, à travers Ali Brahimi, on a recruté aussi Bacham Staffa et puis Boukrif Salah. Et d'autres encore, je me rappelle aussi, bon, d'autres noms comme Bou Abdallah par exemple, Echnouyen, etc. Bon, il y en avait plein. Désolé, je ne peux pas les citer tous, parce que là, ma mémoire n'est pas très. Voilà, Mais après, il y a des islamistes, mais après, il y a des islamistes qui ont une force. Le pouvoir et jouer la carte de la FLN. Les conservateurs, l'allée des conservateurs, c'est une secrétaire des islamistes, ou qu'est-ce que je mets dans les comités. Exactement. En fait, après quelques activités donc menées par le comité de cité de Ben Hakounoun, un jour, ce comité-là a programmé Kateb Yassine avec sa pièce. La pièce de Mohamed Prontavalis. Mohamed Prontavalis. Et là, les islamistes ont refusé. Ont refusé d'une façon très brutale. Exactement. Donc les islamistes ont mobilisé énormément de gens, des militants à eux, mais aidés par le FLN. Ça, il ne faut pas l'oublier, par M. Saadia notamment. Et ils ont mobilisé, y compris des citoyens de la ville, qu'ils ont ramenés de différentes mosquées d'Alger. Et donc, ils étaient majoritaires, et ils étaient très violents. Ils étaient venus avec l'idée de mettre la cité à feu et à sang. Et c'est comme ça que donc ils ont pris le comité. Voilà. Donc ils ont pris le comité. À partir de là, dès qu'ils ont pris le comité, d'ailleurs, deux, trois jours après, ils se sont dit, maintenant qu'on a réussi à prendre ce comité, et que finalement le PACS n'était pas si fort que ça, on va s'attaquer au comité de Kouba, de l'Harrach, etc. C'est ce qu'ils ont fait, et c'est comme ça qu'ils ont pris tous les comités des cités universitaires environnantes. Et les groupes qui ont été Nous connaissons, en fait, on s'est retrouvés, bon, on a créé un comité, un petit comité d'institut en sciences économiques, avec Bacham Staffan, Boukrif, Bou Abdallah, etc., d'autres camarades. Voilà, j'ai pas encore. Donc, madame le thème de Gmouchouar, c'était vraiment le syndicalisme. Hein? Au niveau des étudiants, l'objectif était de construire un syndicat. Donc, ce plan politique, il n'y avait pas d'opposition qui a gagné un édifice clair contre la politique du Boumdia. C'était beaucoup plus l'autonomie du syndicat. La politique, on l'a réservée sur le plan organique. C'est-à-dire, dans l'organisation, ceux qui étaient recrutés dans l'organisation, là, effectivement, on s'était dit que. Kouyéoun, il va essayer de s'investir aussi dans son village, dans les usines, si c'est possible, et de créer des cellules partout,
dans les usines, dans Est-ce que tu crois que le les villages, etc. fait que Emir ni gwaner de Sertith il a le PACS بالضبط خبط الاناليست باللي كتو فات باللي le PACS لا اف ال ان اتس الحيين لي اسلامي سيتي لا اف ال ان ايش قرص في كوا ميم لا تروازيام فواري دي بوين بوينوي يا ان كورونسان دو اف ال اللي كلس الحيين سو سون روند كونت باسكو جينيرالمون دي ثالث ني اون زميرا دافتا كي اون اوبوزيسيون كان كي كيسو فلا ستورار اكني وات الحال مي يا توجور انا في الفيلد فير pour créer un équilibre Nous n'a jamais parce que nous était radicalement contre le pouvoir on voulait en découdre réellement avec le pouvoir mais c'est ça c'est au début malheureusement heureusement parce que c'était les circonstances notre groupe s'est créé à l'université La Ral. Voilà. On n'a pas choisi le terrain, en fait. Hein. C'est-à-dire, on les comités universitaires, c'est l'action politique qui est même. Alors là, par exemple, on faisait beaucoup plus d'actions de solidarité, avec notamment la grève des dockers. Il y avait aussi la grève des transports, comme la RSTA, ou je ne sais plus comment on appelle ça. Voilà, il y avait les cheminots, si on essayait de prendre contact avec des cheminots, etc. Bon, voilà un peu. Donc, en cas de ce que je veux dire, dans des usines, des sociétés. On faisait les choses en parallèle. Et dernier, on a essayé aussi de faire un travail au sein des bidonvilles. Parce qu'à l'époque, il y avait plein de bidonvilles, les anasser, etc. Donc, on pénétrait dans les trucs pour essayer d'avoir des discussions et aussi avec l'éventualité de rencontrer des gens susceptibles de rejoindre notre organisation. Alors, on va aller dans le sud, sur l'autre, tu fais le qui est zéro, ou alors il y a une marche de l'Zaïr pour le 7 avril. Exact. Ouais. Donc, enfin, moi, c'est encore une fois on était Hach Slimane que j'ai rencontré. Non, Hach Slimane qui m'a dit voilà, il va se passer quelque chose à Alger. Mais il ne m'a pas donné plus de précisions. Donc, j'ai informé les copains, et puis, bon, on a cherché, on a essayé d'avoir plus d'informations, on n'a pas pu. Jusqu'à la veille. À la veille de la marche, je rencontre Etlar Bazri qui me dit voilà, il y a une marche demain, une manifestation, donc un rassemblement au niveau de. La place Babelwad quoi. Donc le lendemain donc les camarades sont venus mais personnellement je suis arrivé un peu en retard par cause du transport parce que Krohab Sikouba donc c'est pas facile à l'époque les transports donc j'ai pas eu le temps donc d'arriver au moment où les gens étaient rassemblés à la place de South Shab. Comment on appelle ça, le South, je ne me rappelle plus, à la place des martyrs. Place des martyrs, disons comme ça. Sahat Chouad. Voilà, disons-le comme ça. Donc, Sahat Chouad, voilà, j'allais dire South Shab. Finalement, donc, moi je suis arrivé au moment donc, où la marche était dispersée. Voilà, je rencontre les gens, qu'est-ce qui se passe, etc. On essaye de s'informer. On n'a pas eu beaucoup d'informations. Franchement, ni sur le... on savait à peu près qui avait organisé cette marche. C'est une marche, elle est Exactement. Si on soutient un affaire dans l'université de Jérusalem. Absolument. C'est après que bon qu'on l'a su. Qu'il y a à travers donc Hach Slimane et donc Etlar Bersqit. Donc je savais à peu près donc quel est le courant qui était derrière cette marche. Mais pas, on ne savait pas plus que ça. Mais Bonne question. Parce que, en fait, personnellement, j'avais des convictions socialistes et je les garde jusqu'à maintenant. Moi, j'ai toujours considéré qu'on ne pouvait pas lutter pour Tamazight et s'arrêter là. Moi, je pense que Tamazight, c'est aussi une revendication qui concerne et qui est portée par une population qui avait aussi des problèmes sociaux.
et qu'il fallait aussi prendre en charge les problèmes sociaux de cette population. Donc, il y avait des gens qui nous disaient non, il n'est pas question de s'intéresser aux problèmes sociaux donc des gens, mais il fallait uniquement donc focaliser toute la lutte autour de Tamazight. Personnellement, je ne partage pas ce point de vue, je n'ai jamais partagé ce point de vue. Donc voilà comment en fait il y avait une divergence idéologique. Il faut dire aussi, ils avaient une conception un peu libérale des choses. Kenny, j'avais une conception socialiste, donc je ne pouvais pas, on ne pouvait pas, comment dire, bien que sur le terrain. Mais je te fais les concepts libéral, socialiste à l'époque, alors que il n'y a pas un projet de société, tu peux le situer comme Ken Arroyo. Non, non, il n'y avait pas un projet de société, mais il y avait quelque chose aussi, parce qu'on n'en a pas parlé. En fait, moi j'ai fait ma formation politique quand même hein, depuis le temps. C'est mal. J'étais un grand lecteur, moi je, au collège déjà j'avais fait pratiquement tous mes classiques de la littérature française. Et j'ai découvert le marxisme à partir de la troisième. Donc j'ai eu le temps donc, de comprendre certaines choses et puis de m'intéresser à beaucoup d'autres choses. Donc voilà aussi ça a beaucoup contribué. À constituer un peu mes choix idéologiques. Mais les choix idéologiques, même si politiquement, Pour nous, le Pax, du moins c'est comme ça qu'on le voyait, n'était pas un vrai parti communiste. Donc, par contre, les trotskistes, on considérait qu'ils étaient un peu farfelus dans leur manière d'appréhender la lutte sur le terrain, dans leur manière d'élaborer des stratégies. En plus, ils étaient, c'était des courants qui étaient soumis à des concepts qu'on appelait les concepts européocentristes, donc qui étaient créés dans le contexte européen et qu'ils plaquaient sur l'Algérie, qu'ils voulaient plaquer sur l'Algérie. Donc, en fait, c'est comme ça qu'on voyait les trotskistes. Plus tard, les choses vont évoluer. Ça, je dis comment on pensait à l'époque. Donc, voilà. Donc, sur ce plan-là, il n'y avait pas de. Pour nous, c'était assez clair, assez cohérent. Assez cohérent d'être contre le PEX, qui pour nous ne représentait pas vraiment l'idéal communiste dans la société algérienne. Et le mouvement trotskiste dévoyait aussi à sa manière aussi ce mouvement. Il a un choix, 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 il avait ses positions dans le mouvement 80, c'est vrai, il a condamné les événements de 80. Mais nous connaissons, on se disait communiste, mais en fait, c'était un autre courant communiste. Il ne faut pas faire l'amalgame. D'accord. Tisnet, nous connaissons, on était déjà en contact auparavant avec les étudiants de Tizi Ouzou et qui faisaient partie de cette mouvance-là. Nous n'étions pas une organisation bien assise, structurée, etc. Nous, en fait, à notre insu, nous avons créé un courant d'opinion où il y avait des cercles concentriques comme ça, Femad, des cercles qui vivaient d'une façon autonome mais qui étaient liés à d'autres cercles. C'était comme ça qu'en fait on a créé une situation comme ça, et qui a fait que, par exemple, les étudiants
de Tizi Ouzou, on était très, en contact très étroit avec Tari Aziz, avec Jamel Zenatine, avec Lamara, Gérard Lamara, avec Etouakli Rachid, avec, etc. Donc tous les gens qui étaient à Tizi Ouzou, ils étaient en contact très étroit avec nous. On avait des échanges. Bien que c'était un cercle autonome, on connaît dans nos carrières des cercles autonomes. Enfin, c'était beaucoup de cercles comme ça, qui, bon, mais qui avaient des liens. Il y avait aussi le groupe Ndebza, c'était aussi un cercle à lui seul. Il y avait des cercles à Sétif, à Constantine, à Oran, à Alger, un peu partout. Voilà. Mais on avait tous des contacts entre nous. Alors, on avait des échanges. Et aussi, il faut souligner aussi qu'il y avait aussi, on était en relation avec ce qu'on appelait aussi, on appelait ici en France, le comité des travailleurs immigrés. Mm-hmm. Voilà. Et le comité des travailleurs algériens immigrés. Donc, on était aussi en relation avec eux. Voilà. Alors, tu as fait ce thème pour mes séminaires, tu as dit que tu as fait le séminaire. Tu as fait le séminaire à Corel. Alors, tu as dit que tu as fait le séminaire. Tu as fait le séminaire. Ben, les détenus, c'est le HEV, c'est les 24 détenus unis. Donc, on a fait une grande fête à l'université de Tizi Ouzou. Il y avait un grand couscous. Ouais, il y avait une atmosphère festive extraordinaire. Et là, personnellement, j'ai eu, donc, c'est Tari Aziz qui m'a informé qu'ils ont demandé au Wali donc de leur donner les moyens donc d'organiser un séminaire. Et là, bon, il y a eu de longues discussions entre tous les camarades, etc. Est-ce qu'il fallait faire le séminaire ou pas? Est-ce que c'est pas dangereux, etc., etc. Il y a beaucoup de questions qui se sont posées autour de la question de ce séminaire. Puis finalement, la majorité avait pensé que c'était une bonne chose, qu'il fallait donc encourager la tenue de ce séminaire-là. Voilà comment le séminaire donc, a été organisé. Arrivé à Ardenna, à Yakouren, donc on a constitué 4 commissions. Si je ne me trompe pas, là je parle... de mémoire, je ne sais pas s'il y avait une séminaire. Mais avec qui est-ce que tu as fait des séminaires ou du Sal Marhada? Du Sal Marhada. Tous les militants étaient les bienvenus, d'où qu'ils viennent, comme on dit. Et la prise en charge a été préparée par le Wali Safé? Absolument. C'était la Wilaya qui avait pris en charge donc, les dépenses, etc. Donc il y a eu 4 commissions, si je me rappelle bien, donc qui ont été mises en place. La commission langue, la commission culture, la commission liberté d'expression et la commission histoire. Voilà un peu le. Question de la commission. Alors en Kiné, j'étais dans la commission liberté d'expression. Alors il faut signaler que toutes les commissions dans toutes les commissions, il y avait tous les courants politiques pratiquement qui étaient présents. En revanche, malheureusement, la commission dans laquelle j'étais, il n'y avait qu'un seul courant, c'était le nôtre. La porte était ouverte, il n'y avait pas de problème. C'est-à-dire n'importe qui pouvait participer à la commission. Donc, je me rappelle, on a reçu notre Farhat, il est resté une heure, non, deux heures, qu'il est au prix à l'Iroi. On a reçu Ben Mohamed, il est resté une demi-journée, il est parti. On a reçu Itlar Berski, il est resté dans quelques temps, donc même pas une journée. Donc bon, ils nous ont... Qu'est-ce que tu as fait le séminaire? Un mois, une prime. Alors, de la commission, par exemple, la liberté d'expression, qu'est-ce que tu as fait? Un rapport qui a été donc présenté en plénière. Comme toutes les commissions. Chaque commission a fait son travail. Puis, à la fin donc, du séminaire, on a clôturé le séminaire avec un gala où il y avait Farhat, il y avait Echenouyen, etc. Et il y avait Sofiane, chanteur là, qui chantait Naqal avec Malika Doumra. Donc, juste après le séminaire. Est-ce que le séminaire est d'un normal? La sensibilité, des fois, quand tu es un mois dans un hôtel, la prise en charge, la wilaya, c'est quoi ce qu'on a fait, les désinfiltrés, la sécurité militaire, la sécurité, 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 la
En vérité, en fait, les luttes ont commencé, je crois, depuis le séminaire Diakouren entre les deux tendances, ce qu'on a appelé le MCB de gauche et ce qu'on a appelé des appellations vraiment arbitraires, hein, ce qu'on a appelé l'aile droite du MCB. Donc, en fait, les conflits ont commencé depuis ce séminaire-là et ils vont perdurer longtemps. Longtemps après, jusqu'aux années 90 et même voire après, plus tard. Donc, il y avait des divergences idéologiques, il y en a, non? Ça c'est clair. Il y avait aussi des divergences dans la manière de gérer le mouvement. Parce que ils avaient une conception, enfin, en fait, nous connaît, enfin, c'est-à-dire qu'il ne faut pas faire de trucs, on n'était pas des ennemis, enfin, on était tout simplement différents dans nos approches. Voilà, c'est tout. Et donc, le groupe Agin Saïd Saadi, si tu veux, ils avaient une conception un peu de l'organisation qui consistait à avoir un comité. Évidemment, le comité c'était eux, quoi, et d'organiser toute la Kabylie d'une façon verticale, sous la direction de ce comité. On avait une autre conception. On s'était dit que en fait, il fallait créer des comités de cités, pour l'université, de cités, d'instituts. Il fallait créer des comités de village, il fallait créer des comités dans des usines, etc. Et c'est la coordination de tous ces comités-là qui peut donc être institué comme direction du mouvement. Et il y a eu des conflits, voilà, autour de ces questions-là. On essayait d'organiser des comités, ils nous bloquent. Quelquefois, quand ils font des choses, on les bloque. Enfin, on a eu quand même des conflits, des fois, avec des nassas pas très sérieux dans leur fondement. Pas très sérieux, d'un côté ou de l'autre. Voilà. Donc voilà, et puis il y avait aussi, par exemple au séminaire au début, par exemple, on nous a dit il ne fallait pas faire un mois, il fallait faire 3 jours. Parce que sous prétexte qu'il y aurait la présence de la sécurité militaire. La sécurité militaire, de toute façon, tu fais 1 heure, un mois, c'est la même chose. Elle est là de toute façon. Donc il vaut mieux profiter, faire un mois, pour enfin clarifier tout ce qu'il y a à clarifier dans ce mouvement pour la population. Mais est-ce que tu peux un consensus pour les gens qui ont été en train de se faire, qui ont été en train de se faire, qui ont été le courant idéologique toujours de se faire? Est-ce que c'est que tu as fait l'as, et que tu as fait l'as, et que tu as fait l'as? كان دنو غال لوين كملا ولا كود قسم مقرن الو ديك السيمينار تاع كورن هذا ذاك كني ياسنت لي زوتيولوجي خاصو لا ما الجهه هي الاف اف اس الاف اف اس ستركتور كون وي مي بوليتيك مون ذا شو كون اش لا ستركتور تاعهم اسك ريالمون ثبض ما اني ذا غتملا لم في الحاجه بوان كومان كونسيس غير في المزيغ ايديولوجيك ما تمس فيها مالا يقول الجهات لا ستركتور الجهه نيضا شوت جهه نيضا سيتي ان كورون دوبينيون كما كنت دنيا تو تاليير. C'était un simple courant d'opinion où il y avait des gens qui partageaient à peu près des orientations, ils avaient des convergences sur certaines idées, puis c'est tout. Mais on avait effectivement entre nous des relations très intenses. مي انا كون ميم اين ديفرون ديال السيمينار تاع كورين ماشي حاجه في لا لونغ يعني في الكوتي في السوسيال في ليبرتي ديكسبرسيون فتاست مثال ابسولومون ابسولومون فون دي كوكي جيم اي فو با اوبليي كلي ريفونديكاسيون دو موفمون 80 ديل ديبار سيتي لي ليبرتي ديموكراتيك سيتي ثمازيغ سيتي اوسي سو كون ابلي لو فري سوسياليزم اما اي فالي با اي فو با اوبليي سا دونك اون فيت ديجا ديل ديبار 80 ديجا ces deux tendances étaient visibles dans les mots d'ordre qui étaient donnés en 80. Dans le séminaire d'Yakouren, effectivement, pour nous,
Saïd Saadé et son groupe, c'était le FFS. Ce n'était pas le FFS avant 79, c'est devenu le FFS à partir de 79. Et puis, on avait eu vent, Belém, Saïd Saadé et son groupe s'étaient retirés du FFS à partir de 81. Mais ils n'ont jamais assumé publiquement. Publiquement, il y avait un amalgame, tu vois, donc on ne comprenait pas trop bien. Est-ce qu'ils étaient toujours FFS? Est-ce qu'ils ne l'étaient pas? Qu'est-ce qu'il y avait entre eux et Ahmed? On ne comprenait absolument rien parce que, en fait, rien ne filtrait des relations qu'ils avaient avec Ahmed. Parce que des fois, on les voyait soutenir donc, certaines directives d'Aït Ahmed, d'autres fois non. Par exemple, quand je suis venu en 84 une fois. قبل نحكي على 84 خاطر يا كو ميم انت دات لقد مسلف لس في 81 خاصو لما سيمينار على الكورة تبضم ارثا قالت مسفهمن خاص دي فوا لا ديفيرجونس Absolument, absolument, مثلا il n'y a قالت pas de problème. مسفهمن الوغ شينو ان 81 يا ان جروب اللي فراك هو تخلق لنا ان بارتي نعم كي نسميه ثورة ان هو ويجي اي كومون فوزافي سيت ايدي Oui, ان في سامبليفيه effectivement, on connaît, je voudrais commencer les choses, mais d'une façon, séminaire de Kouren. Donc, on s'est retrouvé à peu près une dizaine de personnes pour faire le tirage. Je pense que ce serait bien quand même de signaler que c'était Sahnoun qui nous a donc donné tous les moyens, parce qu'il travaillait à l'Institut de langue arabe. Donc, il a mis à notre disposition les moyens d'impression. Il y avait à la machine, il y avait Achab Ramadan, à la machine à écrire. À la correction, il y avait Beni Al-Majid. Et au niveau du tirage, pour agrafer Le les rapport cours. du séminaire. Exactement. Il y avait Tari Aziz, il y avait Jamal Zinati, il y avait Gérard Lamari, il y avait aussi Aknina Arab, il y avait Wahyoun Jafar, il y avait moi, voilà, on était à peu près une dizaine. Donc voilà, donc ça nous a pris, c'était un travail de toute une nuit. Vraiment très dur. On a veillé jusqu'au matin, Yannick, pour donc confectionner le document. Et puis, voilà, plus tard, donc le الدوكيمون distribuer. اسكو تكون تسيرف تاع كذا عشان دي قيمه في ورال نغايتي شاك كوميسيون تخمد دانات لو رابور ينس ومن بعد سبعه تروح تكون غادي تخمد Chaque تيرات commission de خدمة de la rapporteurs manuscrit, c'est Achab Ramadan, donc il a tapé tout ça à la machine, plus d'une nuit, je crois qu'on est resté 2 jours, si je me rappelle, je me rappelle plus combien de temps on a passé, mais je me rappelle que c'était très fatigant, parce qu'on est resté très longtemps pour confectionner les documents, etc. Donc, ils ont été tapés donc, à ce moment-là, et puis agrafés, renotypés, agrafés, voilà, et puis distribués. Est-ce que les réponses sont pas ça que tu es là? Et jamais. Jamais que Hafsaniyé. Moi, j'ai eu des petits problèmes. J'ai été interpellé par la police à 2 reprises, une fois par la gendarmerie, mais pas du tout dans le cadre politique. C'était parce que tout simplement. Mais c'est pas, ça n'a rien de. Voilà. Dans le cadre politique, j'ai jamais été arrêté. Non. Mais est-ce que tu fais une position politique contre le pouvoir à des Thalithéniens? Absolument, moi je crois qu'avoir été un opposant radical depuis toujours. Mais bon, on m'a pas arrêté. Bon, il y en a d'autres, hein, qui n'ont pas été arrêtés. Et il y a d'autres aussi, je peux te le dire, hein, même parmi les 24 détenus qui ont été arrêtés par erreur. Ça aussi, il faut le savoir. Et beaucoup de militants, enfin plutôt de citoyens qui n'ont jamais été des militants et qui ont été arrêtés aussi en 80. Ça aussi, il faut le savoir. Mais ça, je ne sais pas ni pourquoi, ni comment ça s'est voilà, ça s'est passé comme ça. Alors, cela, le de 81, Thawra. Ashura, Alors, Thouara, c'était donc le groupe Nord. Donc, on s'est réunis parce qu'il y avait un noyau dur quand même dans le groupe Nord d'Alger. Les 10 qui fondateurs de l'organisation, avec quelques-uns qu'on a recrutés plus tard, avec par exemple Naïd Al-Ibrahim, Bacham Staff, Aboukrif, etc.
Donc, et puis avec aussi un groupe de CTI, c'est-à-dire du Comité des travailleurs immigrés. Et quand on a organisé, on a créé cette organisation qu'on a appelée Thora. Bon, c'était pas vraiment personnellement le truc qui me plaisait beaucoup, ça me plaisait pas beaucoup, mais malais. Mais au départ, Mathieu, c'est pas dans le but d'enregistrer ma partie politique. Ah si, c'était un parti politique. Dès le départ. On voulait s'assumer comme ça. Cette fois-là, on voulait s'assumer comme parti politique. Qu'est-ce même Thora? Et on se laisse Thora parce que, voilà, ça a été une proposition qui à un moment donné, est passée comme ça. Vraiment, ça, on n'a مي pas beaucoup خاطر امير réfléchi. يتزر ذا ولا كاتب ياسين لا يذون على كاتب ياسين تاكل البوليتيك أرجو أن بدور كتب ياسين. روح Je نقص زعل. العقل روح Non, on a créé l'organisation Gethora. On était l'organisation qui avait le privilège de diffuser un journal assez de qualité au niveau de l'impression et du papier. Et ça coûte très cher pour faire c'était un véritable C'est même tabloïd. toujours le journal Thawra. C'était un véritable tabloïd. C'est mal. Et puis, à un moment donné, donc on continuait donc à essayer d'asseoir organiquement cette organisation. Et puis finalement, personnellement, au bout de 3 réunions, je suis sorti de cette organisation. J'ai démissionné. J'ai D'accord. démissionné de cette organisation pour une simple raison, c'est que quand on était 5 dans la direction de l'organisation, et parmi les 5, il y avait un qui s'occupait de la confection de ce journal en France et qui arrivait donc à le faire passer par la douane, ce qui nous a étonnés par quels moyens il arrive à faire passer des milliers d'exemplaires à travers la douane et puis d'où vient l'argent pour faire ce journal, puisqu'on n'avait pas encore de cotisation, ou pas beaucoup. Donc je me suis méfié. Je me suis méfié, je me suis dit, parce que c'était un journal, Ça fait aucune organisation clandestine ne se permettait d'avoir un journal de cette qualité-là. donc اتصل بردني ده عداد اتصل ممكن يديك الشمال تشيك شمال كيك شمال يديك شمال كده تفضل هذاك دروله voilà, exactement, voilà. ترجمة. Alors, تملي تاكل كاتب ياسين alors. Alors, Kateb Yassine, c'est donc mis de faire Thora. Donc après, donc avec la rencontre, j'ai fait la connaissance d'Ali Zamoum, qui m'a présenté Kateb Yassine, donc puis Daniel Timsit. Et Daniel Timsit, Ali Zamoum, il y avait aussi Ramadan Hakem. On a décidé de créer, voilà, de refaire l'expérience. Parce que Kilmit Tahra, c'est Thora, quand j'ai démissionné de Thora, quelques temps après, je rencontre Ramadan Hakim, il m'annonce que lui aussi venait de démissionner. Et donc, on décide de faire quelque chose ensemble, avec Ali Zamoum et puis Kateb Yassine. Mais Kateb Yassine, en fait, il ne voulait pas s'engager politiquement. C'est-à-dire que sur le plan organique, la santé, hein. C'est-à-dire que lui, faire le militant politique, organique, etc., ça, c'était pas sa tasse de thé. Donc, mais on a profité d'un moyen qu'il avait, d'une association, pour avoir une couverture légale pour nos activités. Et c'était l'Action culturelle des travailleurs. Et la cité, mais est-ce que Kate Bizalam dit que vous utilisez l'association des fins politiques? Alors, le jour où on lui a parlé de parti politique, il nous a dit, voilà, moi, ne me mêlez pas à ça. Voilà ce qu'il nous a dit. Il ne faut pas me mêler à ce projet. En revanche, il savait qu'on était organisé politiquement. Effectivement, qu'on voulait créer un parti politique. Et il fermait les yeux. Mais un jour, il faut pas que me mêler dans vos actions, dans ce que vous faites, vos réunions, etc. Voilà ce qui c'est tout. Mais en revanche, il attendait de nous qu'on crée aussi des activités culturelles autour de sa personne, notamment, ou de son œuvre, ou voilà, de voilà. Ça, par contre, il nous encourageait à le faire. Donc on faisait les deux. يثير مي قلنا الاكسبيرينس كذا تروح اظن بعد ديميسيوني نعم كيف ترى Absolument.
Absolument. Bon, après, bon, ça sera ta sécurité. Après, bon, en fait, monsieur le Hadj, en vérité, avec l'action culturelle des travailleurs, on a eu quelques expériences. Donc, on a fait une bonne expérience. On avait voulu organiser, commémorer le 1er novembre, mais à notre manière. Donc, on a réussi à voir la salle Onamo. Je ne sais pas si tu as entendu parler de la salle Onamo. Pour ceux qui ne connaissent pas la salle Onamo, c'est une salle mythique d'Alger où Kateb Yassine, la troupe de Kateb Yassine, jouait régulièrement au début des années 70. Et puis, à un moment donné, c'est devenu presque le siège de la subversion, comme on disait à l'époque. Et ils l'ont fermé, et ils ont exilé Kateb Yassine Sidi Bel sur Abbès. injonction de Talib Ibrahimé à Sidi Bel Abbès. Et donc, cette salle a été fermée. Mais on a réussi quand même, en 1984, ou 84, ou 83, je ne me rappelle plus, donc à ouvrir cette salle. On nous a donné le truc, on leur a dit on va commémorer le 1er novembre. Évidemment, du côté du ministère, bon, ils avaient une conception de la commémoration qui n'était pas du tout la nôtre. Eux, ils pensaient qu'on allait, ils ont préparé l'argent et tout, qu'on achète des cadeaux, etc. Ils pensaient qu'on allait ramener leurs enfants, les enfants de tous les fonctionnaires du ministère, qu'on allait leur apprendre des chants patriotiques, et à la fin leur donner des petits cadeaux, comme ils font un peu dans la télé, à la RTA, etc. Des trucs comme ça. En fait, nous, on avait notre conception de cette soirée. On a ramené Farhat, on a ramené Ben Mohamed comme animateur, on a ramené Farhat comme chanteur, on a ramené la troupe de Kateb Yassine, on a ramené une autre troupe de Dersa de Sétif, on a ramené. En fait, tout ce qui était vraiment dans l'opposition était là. Ceux qui étaient des artistes donc sont passés sur scène, et ceux qui n'étaient pas, ils étaient dans la salle, quoi. Voilà, donc pratiquement toute l'opposition était. Évidemment, le soir même, ils nous enlèvent les clés de la salle et ils referment la La salle. salle. Voilà, par exemple. Voilà une des actions qu'on a menées. On a fait un petit film avec TF1 sur les musiques turques, mais c'était un fiasco pour nous, un vrai fiasco, parce qu'il s'avère que finalement, le réalisateur de TF1 qui s'appelle Paul Sebon, en fait, ne voulait pas gêner le pouvoir. Donc, il ne voulait pas, par exemple, intégrer dans le cadre des musiques, tenir compte de nos propositions, comme par exemple, on voulait que Farhat, par exemple, y soit. Enfin, tous les chanteurs modernes et contestataires, quoi. Il ne voulait pas. Donc, il y avait Hanifa, Atmanim, voilà. Donc, d'une part, donc il a folklorisé complètement, en fait. Son sujet, et ça nous a vraiment déplu. Ça a été un véritable fiasco. D'ailleurs, il y a un petit morceau de ce film qui passe un peu dans le truc. Moi, ça m'agace. C'est sur internet. Voilà, où on montre des femmes en train de chanter, des gens en train de danser. Ben, c'est vraiment. C'est pas du tout. C'est en 84, oui. C'était en 84, c'était en 83. C'est pas du tout le contenu initial du film. Alors, donc, مثلا هذاك مثلا دونك لا سيتي اللي لقيتي تخدم كون لاكسيون سو ترافيل دونك ذلك شو ديكال بوكو بلوس داكتيفيتي كولتورال كادر سوسيال بوليتيكمون Politiquement, on était organisé aussi. Politiquement, donc on s'élargissait, donc avec beaucoup de gens. Bon, je peux te citer aussi des noms peut-être qui sont connus des Nadimour, tu vois, Hussein Itali ou Amar Abou Khalfan, etc. Bon, beaucoup de gens, d'un peu partout. Donc l'organisation s'était énormément élargie. Mais est-ce que le démissionnaire? Alors, pourquoi j'ai démissionné? Alors, d'abord, de l'action culturelle du travail, tu veux dire. C'est un problème terrible. En fait, sur le film Guide que je t'ai raconté, il y a eu un petit problème avec KTBS. C'est moi qui ai négocié donc, avec le réalisateur de TF1. Donc, quand il est venu donc, faire son film, je lui ai dit d'accord, mais à une condition, soit tu nous donnes l'argent pour l'association, parce que l'association n'avait pas d'argent. Mon seul but, c'est mal, à l'époque, c'était de chercher des fonds pour l'association, pour la faire fonctionner.
Et donc, je lui ai dit, soit tu payes l'association, soit si tu n'as pas d'argent, tu nous cites dans le générique. Il était d'accord. Pas de problème, il n'y a pas de problème, il y a l'argent, il n'y a pas assez d'argent. Alors, je voulais faire des économies, bon, c'est sans problème. On l'a accepté, on l'a assumé. Bon, donc, sur le générique, tu cites l'action culturelle des travailleurs. Ça va nous faire un peu de pub. D'accord. Donc, on a tout fait. Et c'est moi qui ai porté pratiquement sur mon dos, sur mes épaules, comme on dit, toute la charge, si tu veux, de l'organisation pour faire ce film. Et à la fin, voilà, on a eu cette surprise. Moi, c'est ce que je vais dire maintenant. Bon, c'est un peu gênant, mais voilà, je vais le Bah, t'es dire, parce que je suis là démissionnaire. pour dire la vérité. C'est que TBSI a pris de l'argent. Voilà. Donc ça m'a complètement scié. Ça m'a complètement scié. Et j'ai eu des filles, beaucoup de filles du foyer de jeunes filles de Tizi Ouzou, donc j'ai sensibilisé pour participer à ce film et qui sont venues le faire bénévolement, en sachant que l'argent, s'il y avait de l'argent, il allait être versé dans la caisse. Ou en fait, c'est elles qui ont appris, après, qui ont découvert le truc, à savoir que Yassine avait touché de l'argent à notre insu. Est-ce que ça a quelque chose de bien ici? Absolument. Est-ce que vous Rien. Rien du tout. Et il s'est enfermé. C'est complètement renfermé. Voilà. Il ne voulait rien me dire, ni m'expliquer, ni truc. Voilà, tu sais, il faut connaître Yassine. Hein. Yassine, quand il se renferme, t'as beau faire, il ne parle pas, il ne dit rien. Et voilà. Mais bon, que je ne vais pas insister. Hein. Enfin, donc, on a essayé de lui parler, Kilim, Ali Zamoum, Daniel Timsit, mais rien à faire. Rien à faire. Donc, il a gardé un mutisme complet. Et depuis, donc, je me suis dit, je vais pas rester dans, je ne peux plus travailler comme ça. Donc démissionnaire. Alors, non, je n'ai pas encore démissionné. J'ai démissionné, c'est vrai, mais après, quand même, il y avait Daniel Timsit et Ali Zamoum qui sont venus me voir et qui m'ont sensibilisé pour un projet, Alors, quelques temps après. ماذا نتيجة هي ثمسات إن دخلت الوقت يتسلسل روح الزمن روح الزمن ثغار ذي غامض الباكس Exact. ألو مشواري نيك يسوهامة Exact. تكشم ذي الباكس تاخر باسك يعني دارا هي تاخر ثغار وساعة تكشم وضع ديميسيونير أغار لافن ذي ثغار ذي الباكس عشو غرا ثغار ذي ودت تاخرض إسكو وقارو يكون فران تاران نعطيك ولد الأغار بدو في ضارة فريد تقلي بض Absolument, tu as bien fait de le dire. Mais en même temps, à chaque fois, quand je rentre dans une organisation, que j'essaie de contribuer à la création d'une organisation, il y avait des raisons. Et quand je sors, il y a des raisons. Je t'ai cité les raisons pour lesquelles donc j'ai quitté telle organisation. Mais le PACS, je suis rentré au PACS, à quel moment? Pour rentrer au PACS, il nous a fallu 2 ans de négociations, de contact avec le PACS. 2 ans qu'on discutait avec lui. Alors, d'une part, moi j'ai quitté le PECS pour la question de Mazert et pour l'opposition au pouvoir. Donc, le PECS ne posait pas la question du pouvoir, la prise de pouvoir. Il continuait à végéter derrière le pouvoir en place. Ça m'a. Donc, il ne le remettait pas en cause. D'un autre côté, Mazert. Il n'avait pas pris en charge et donc j'en ai eu l'expérience personnellement et c'est pour ça que j'ai quitté le PACS au départ. Mais pourquoi je suis reparti au PACS en 1987? C'est très, très tardivement. Hein. Depuis 1985 qu'on discutait, on avait des contacts. Parce qu'on avait une organisation qu'on n'arrivait plus à gérer hein, et que le PACS était réprimé. Et donc, on avait l'espoir qu'il allait se radicaliser vis-à-vis du pouvoir. Et aussi, qu'il avait pris des leçons par rapport au mouvement 80 et qu'on pouvait donc, de l'intérieur, le pousser à prendre en charge la question de Mazir. ثغار ذا Voilà. الباكس مثل اللي يروي ديك السثور اللي هو كان الباكس هذه مثل Après, quand on a abouti à la conclusion qu'en fait, on s'était illusionné, hein, sur la possibilité de changer le PACS de l'intérieur, sur la question de Mazirt et sur la question du pouvoir, là, effectivement, personnellement, j'ai assumé très clairement l'idée qu'il fallait
dissous dans ce parti qui était devenu moribond. Alors, est-ce que tu m'en as parlé? Je suis dans l'MDS, non, jamais. Depuis, je n'ai jamais adhéré parce que depuis, avec toutes ces expériences-là, j'en ai tiré une conclusion, c'est que rentrer dans une structure organique ne convenait pas du tout à ma personne, à ma personnalité plutôt. Enchaîner, mchoir des délais, khatarik, quoi des contradictions, contradictions. Absolument. J'écris. J'espère que si un jour je pourrai publier, dans une année, peut-être un peu moins, je ne sais pas, mais j'écris effectivement, j'écris tout. Tout ce vécu, d'une façon un peu plus détaillée, un peu plus étoffée, Alors, il m'a dit que je suis allé à la fin, quand tu as des contradictions, tu as des idées, tu as des idées, ou tu as des idées, tu as des idées. Je pense que les idées, nous, effectivement, parce qu'en fait, moi, je suis un humaniste radical. J'étais pas vraiment, je ne suis pas un communiste au sens محتوب, dans le sens commun quelqu'un là que je suis pas proche du PCF ou de mais en même temps je suis quelqu'un de révolté, ça va, de révolté. Je suis révolté contre l'injustice, je suis révolté contre l'arbitraire, je suis révolté aussi contre, surtout aussi, le statut de la femme. Le statut qu'on a donné à la femme en Algérie, ça c'est quelque chose par exemple qui a énormément compté dans mes engagements politiques. Merci beaucoup. Merci à tout le monde. Pas grand chose. Moi je pense que on n'a pas tout dit. La relève, tu vois, on a essayé de donner comme ça quelques petits repères, etc. Mais j'espère qu'effectivement, quand je publierai mon livre, effectivement, que tout le monde saura connaître un peu cet itinéraire-là avec beaucoup de détails, beaucoup de. Voilà, de clarification s'il n'y a pas eu de clarification.